Go. Je suis ici à Sergueï Lavrov, le Vatican de la Russie, à plusieurs dizaines de kilomètres, voire 100 kilomètres de Moscou. Je suis en pèlerinage. Ici est le lieu saint de la Russie. Nous sommes le 21 septembre 2020 et moi je suis ici pour constater de visu que toute civilisation sort d'un temple. C'est pour cela que la Perse existera toujours. C'est une civilisation qui est sortie d'un temple. Je suis ici et je constate que la Russie est née d'un temple, le temple orthodoxe. Et c'est pour ça que la Russie existera toujours. La Chine est sortie d'un temple. Et je voudrais me poser la question, où est le temple gabonais? Où est le temple bantou? Je pense que les Mabanji, les Mbanja, ne sont pas des vrais temples pour les Bantous. Je pense que le temple bantou, c'est ce que disait le Christ, c'est le corps de l'homme. C'est la nature, bien sûr, dans laquelle nous nous sommes intégrés, mais c'est avant tout le corps de l'homme, de l'être humain, le corps du bantou, qui veut dire être humain. Jésus a dit, bâtissez ce temple, et moi je le rebâtirai en 3 jours. C'est ainsi que je veux dire ici à Sergueï Lavrov, que moi je crois dans la renaissance du monde bantou, la renaissance des bantous qui sont au Gabon. Nous avons été détruits par l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, 3 cycles démoniaques. Jésus a dit, bâtissez ce temple, moi je le reconstruirai en 3 jours. Je suis ici pour demander à Dieu que soit reconstruit le temple des bantous, le temple des Gabonais. Et je demande donc au peuple bantou du Gabon, de revenir vers la reconsidération de leur corps. Qu'est-ce que nous faisons de nos corps qui sont des temples de Dieu, des temples bantous, des temples du Saint-Esprit? Ce n'est pas en allant dans les Mabanji forcément que nous avons un temple. Notre temple en tant qu'être humain, en tant que bantou, c'est le corps humain. Donc considérons nos corps comme des lieux sacrés, non pas des lieux de prostitution. Quand on voit par exemple que nous n'avons plus beaucoup de filles vierges au Gabon, à 3 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, nous n'arrivons plus à trouver des femmes vierges. C'est une violation du temple sacré des Bantous. J'appelle ici au retour à la virginité de nos femmes, au respect de la sexualité de nos femmes, que ces temples de femmes ne soient plus violés. J'appelle également ici au respect de la vie. On ne doit plus faire des crimes rituels, on ne doit plus massacrer les temples humains, on ne doit plus les charcuter. J'appelle ici au respect du corps des hommes, qui ne doit plus être des corps, des temples de la buverie, de la poisson, de l'ensoumou, de la bordellerie, du satanisme, de la saleté. Je pense que nous sommes appelés à reconsidérer aussi les temples de la famille bantou. La famille a été détruite par ce qu'on appelle la civilisation kémite, qui est autre chose que la civilisation bantou. Je n'attaque pas ici l'égyptologie, mais la culture kémite est une culture qui n'est pas absolument fondamentalement bantou. Donc j'appelle au retour, au respect de nos temples. Le temple des bantous, c'est le temple d'abord du corps, c'est le temple de cette nature que Lee White, ce salaud, est en train de massacrer. Quand on coupe des arbres en 5 milieux, des arbres qui ont mis 5 siècles à pousser, c'est une violation du temple sacré de Dieu et de la nature. Donc j'appelle ici, moi, je viens reconsacrer mon propre temple qui est mon corps, ici au Vatican de l'Orthodoxie à Sergueï Lavrov, un lieu où je vois les Russes défiler, entrer dans le temple, se prier, se prosterner. Je comprends pourquoi la Russie existera toujours. Je comprends pourquoi la Chine existera toujours. Je comprends pourquoi l'Inde existera toujours. Ce sont des civilisations qui sortent de temples. Nous ne sommes pas, nous les Bantous, sortis des temples maçonniques ou des temples de Banja ou des temples de Rose-Croix ou des temples de même catholiques ou même protestants. Nous sommes des temples de la nature et donc je rends grâce à Dieu ici à Sergueï Lavrov et j'appelle les Gabonais à respecter leur corps, à respecter la nature pour que nous puissions reconstruire notre civilisation. C'était Dan Mugamba en Russie et plus exactement à Sergueï Lavrov, le Vatican de l'orthodoxie russe. Je vous remercie. Спасибо.